Thank you.
Poteau, vous avez vu mon super stream? Mon super titre de stream, oula, décidément. On va faire le plus petit stream du monde. Welcome dans la 10e vengeance d'Assassin's Creed. Voilà. Là. On va peut-être faire un petit recap dès que j'aurai remis le son. Et je remets le son. C'est pas ça. Tous les trucs de son sauf le bon. Ah mais si monsieur de la coco, je suis faible en son. Voilà autre chose. Je vais monter un peu. Je cherche juste à remettre le son. Ok voilà. On change de musique. Et normalement je suis au maximum du son. Quoique. Voilà autre chose. Ouais, j'ai eu des problèmes de micro tout à l'heure. Ouais, attends. Et là, ça va mieux? Non, pas du tout. Putain. Test, test, test. Test. J'ai l'impression qu'il déconne un maximum. C'est la voix mais qui est faible. Pourtant moi ça s'affiche bien. Hein. Ouais mais j'ai eu des problèmes. Ça voulait pas démarrer justement, alors attends. Casse tes couilles ton logiciel un peu. Hein. Test. Ça va mieux là? Putain. Non, non mais ça marche pas de toute façon. Est-ce que là ça va mieux là? J'ai complètement changé normalement. Ok bah je vire voice mode, au revoir monsieur. Il m'a saoulé. Ça range pas lui hein. Ah, du coup, vous allez voir ma voix sans amélioration. Ouais, je vois que c'est fort, ouais, c'est assez bizarre. Hein. Bon, explication ou pas là hein. Attendez, regardez-moi ça. Est-ce que ça marche bon, yes. On est dans les défis d'Assassin's Creed. Voilà, là, et comme on peut le voir, me manque venger la mort de 10 joueurs, 9 sur 10. Le truc que personne n'arrive à avoir, moi je l'ai. Comment ça marche? Ouais, super. Donc le jeu est fini, il reste plus que ça. On a trouvé comment faire, c'est la merde, on va le faire, c'est long, c'est chiant. Et il m'en manque un deuxième défi, hein, vous voyez, 29 sur 31. Et alors là, vous allez voir, c'est très drôle. C'est encore plus drôle comme histoire. Déjà je vois pas. Commence fort. Vous voyez oui. Ah Odorant, mes meurtriers, brandissez l'espadon, vous la connaissez aussi celle-là, ceux qui jouent. Il faut l'espadon. Vous savez le truc où il faut ramasser tous les poissons. Vous savez le truc qui est buggy où il n'y a pas les poissons à ramasser. Et encore plus drôle, je l'ai l'espadon en fait. Ouais. Chercher l'erreur. Et figurez-vous qu'hier j'avais le défi. Là il n'y est plus. Bon j'ai un autre défi en cours apparemment, c'est recruter le jeune victime de Veka. Veta. Alors ça c'est un défi temporaire, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On va y aller hein. En gros je fais juste ça. Ah si tu me parles je vois plus. Donc ça charge, je remets tout comme il faut. Encore? Ok. Vraiment bizarre le son aujourd'hui. Hein. Là ça devrait aller beaucoup mieux. Ah! Est-ce que vous avez vu ma nouvelle et luxueuse tenue à la con?
fait peur, non? J'ai fait un mélange d'armure démoniaque. Ça fait peur. Avec ma grosse épée démoniaque aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors déjà l'espadon. Comment ça, je n'ai pas l'espadon? Et ça, c'est quoi? C'est pas un espadon, ça? Je suis le seul à l'avoir. Alors merde. Bon, certes, c'est complètement buggé. Personne ne peut l'avoir. Moi, je l'ai. Et je pense que ça a été détecté. Mais moi, j'ai l'espadon. Attention! Qui veut de l'espadon dans la gueule? Et il fait mal, mon espadon. Ouais, Archa, je suis perdu. Donc si vous avez suivi les épisodes précédents, on en a déjà fait 9, c'était extrêmement chiant. Et d'ailleurs, remarquez que j'ai aussi la carte des opales. En fait, j'ai tout. Ok, je suis pas du tout dans le coin. Donc, let's go, la fameuse ferme. Le jeu est bug, ces missions sont infaisables, sauf si t'attends 15 minutes à la ferme. Voilà, en résumé. Alors, avoir un espadon, c'est pas obligatoire. On y va discrètement. Dernière fois qu'on va faire cette mission pourrie. Et faites-moi penser, il faut que j'achète aussi. Bon, on va nous mettre notre petite cacape. Prudence avant tout, hein. Je suis un super vilain en fait. Alors dites-moi qu'il y a des gens, s'il vous plaît. Des fois, je comprends pas ce jeu. Thor me fait profiter de sa force. Yes, j'ai mangé une petite groseille. Bon, on va aller acheter le truc de Veta parce que ça me saoule. Déjà qu'on doit attendre un quart d'heure. Si on attend un quart d'heure et que ça marche pas, merci bien quoi. On est tellement sur du bug là. Je préfère éviter les conneries. Moi, je veux un truc nickel. Haha! Attention, mon espadon, hein. Ça rigole pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas? T'es pas content? Tu veux une flèche? Bon, dans le doute, j'ai vu qu'il y avait 10 opales à gagner avec en achetant le jambe viking de Veta. Ça sert à rien. Mais on va pas se gêner. Ça va être le stream passionnant. Il va pas être si court que ça, malheureusement. Ah, bah tant que je suis là, tiens. Est-ce que ça s'est réinitialisé ça? Bonjour. Il y a des contrats. Des contrats? Putain, merde! Dites une bête rose. C'est Ah, toi. vas-y, qu'est-ce que t'as à vendre? Eh merde! Bonjour. Bonjour? Qu'as-tu aujourd'hui? C'est moche! Je veux pas, moi! Va. Allez, le champ viking de Veta! Ouais, bonjour, bonjour. Ah oui, mais non. J'ai affaire ailleurs, pardon. C'est pas là.
C'est là plutôt. Bonjour. J'aurais plaisir à remonter les fleuves à tes côtés, Eivor. Bon, c'est pas celui de Veta, mais on va l'acheter. Allez hop. Montre-moi ta valeur au combat et gagne ta place à la grande table. Oh yes. Et surtout d'une mode d'isopale. Hein. Ok. Est-ce qu'on méditerait pas devant la magnificence de mon bateau gothique? Il fait un petit peu de nuit, hein. Ok, bon. Est-ce que ça suffit à réinitialiser les ploucs? J'aimerais bien ne pas perdre 3 plombes dans ce jeu là, ça me saoule cette mission pourrie. Mais voilà, si je suis le premier à réussir à finir ça et à le mettre sur YouTube, ça va attirer des vues, croyez-moi. Ah ouais, parce que tout le monde a le jeu, tout le monde a ses défis. Ils y arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent sur YouTube? Venger la mort de 10 joueurs. Et moi, je l'ai fait. Oh, est-ce que je vous ai montré mon cheval ailé? Je savais même pas qu'on en avait un. Regardez-moi ça. Cheval ailé, les gars. Ils sont tous morts. Ils veulent plus jamais revivre. Ils font exprès pour pas que j'aie mon 10e vengeance. On est d'accord. Ok. On va faire la solution B. Hein. Je comprends pas ça. Je passe le temps, je fais tout. Les mecs ne repopent pas. Incroyable. Oh, où êtes-vous? Bon, solution B. On a un deuxième spot, on l'a fait lors du 9e. Le deuxième spot, que Yen ne me trompe pas, j'ai passé 3 plombes à le chercher tout à l'heure. Ouais, c'était par là, il est dur à trouver. 3 ours qui ont tué un mec. Près de 2 arbres au-dessus d'un lac. C'est la description. Situé un petit peu en bas de l'est, là, dans la région laqueuse. J'ai galéré pour le 9e à le trouver. On va refaire pareil, ça a marché à 9e. Juste de trouver ces saloperies d'ours. Ok, je crois que c'était plus à droite. J'ai déjà galéré. Est-ce que c'était pas par là par hasard? Tiens, il y a 2 arbres là-bas là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des ours dessous? Ils sont morts? Oh non. Sérieux. Ah, c'est pas des ours, pardon. Faut faire quoi pour initialiser ces quêtes? Je comprends pas. Donc c'est pareil, on reste au-dessus de cette branche et on attend un quart d'heure. Putain, je vais jamais m'en sortir. Mais bon, on va faire des quêtes. Au bout d'un moment, à force de faire des trucs, hein? C'est loin ou pas? C'est loin. Hein. Il y en a pas non plus. Allez, on va prendre les opales en même temps. Finalement, ça sera plus long que prévu. Hein. Je vais pas attendre comme un con si les quêtes sont pas réinitialisées. Hein. C'est pas possible. Je vais pas prendre le risque.
C'est trop chiant, trop buggé pour qu'on prenne le risque. Le but c'est de finir définitivement les défis de ce jeu de merde. Et de mettre 2-3 coups d'espadon dans la gueule tant qu'à faire. Hein. Ah oui, oui, il y avait un opale. Il est où? Il est en haut? Mais non. Ok. Oh yeah. Donc, on va pas loin, on va par là. Je ne crains rien, je suis un monstre. Ah, il y en a qui veulent goûter de l'espadon. Bonjour. Tu crois? Par un espadon. Dommage, hein? Je sais pas pourquoi je me balade avec cet arc en fait. T'es pas mort du feu, toi? Bah là, t'es mort. Allez! C'est pas que on se fait chier. Ah oui, mon dragon! Avez-vous vu mon petit dragon? C'est pas la classe! J'avais oublié que j'avais un dragon. Là, je fais des opales, c'est vraiment pour passer le temps et tenter d'initialiser ces quêtes de merde. Je comprends pas qu'elle s'initialise pas vraiment. Ok, j'ai cru qu'elle avait disparu. Un petit opale, ça fait toujours plaisir. Et donc, on aurait une mission par là. Tuer la cible, ça roule. Les gardes sont vigilants par ici. Ou quelle est la cible? On va changer de d'arc à la con quand même. Ça va bien le sniper, hein. C'est aussi nul que dans les autres jeux. On va reprendre mon arc magique. Mais sérieusement, elle est où là, ces cibles? D'accord, c'est pas du tout là en fait. Ouais, c'est le campement. Voilà. Et bah, elle est morte cette cible. Ils ont même pas eu le temps d'arriver, les mecs. Et vous, ça va? Putain, j'ai pas eu le temps de piétiner, enculé. Ouais, bah en parlant de poisson, tiens. Si tu prends un espadon dans la gueule. Pédé. Allez, allez, vas-y. Ramène-toi. Espadon! Oh putain, j'ai raté. Ah là! Qu'est-ce qu'il me casse les couilles avec son bouclier là? Pousse-toi un espadon. Allez, donne-moi 5 opales.
Ouais. Oh, si c'est pas chouette. Il y a un opale tout près. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre trois coups dans la tronche. Je crois que j'ai oublié une opale. Fais chier. On m'emmène mon cheval volant. Merci. Prédateur, vous dites. J'entends effectivement des bruits. Par contre, je ne vois point de prédateur. Je vois un bel opale. Oh yes. Petit opale bonus. Où qu'il est, le prédateur? Va, dragon. Ah. Spotted. Ouh. Vous avez ça, je peux faire des pointes avec mon espadon. Ah bah on va pas gêner. Où que t'es toi? Ah. M'en fous, j'en refais une. Niqué à la course à l'espadon, ouais. Incroyable. Je m'éclate tout seul. Tuer le monstre. Bah, il est mort ton monstre. En même temps, il était pas ouf. Les 5 opales dans la poche. Regarde-moi ça. Oh oh. Ah non? C'est un ennemi lui. Ah ouais, il y a du poisson. Hein. Bon, juste pour la forme, j'ai pêché. Il y a vraiment histoire de dire, vu que moi il buguait l'espadon. Ah, gros, que dalle, j'en ai vu deux à peine. Ah ouais, ok, c'était caché. On dirait que c'est un coin spécial de poisson, hein, vous voyez. Ah, puis c'est des anguilles, clairement. Vu comment il est bugué l'espadon, on va pas se gêner, hein. Je trouve un coin en poisson. Il est clairement identifié comme tel. Et en plus, c'est des anguilles. Anguille moyenne, si je m'abuse. Allez! Pas l'air si moyenne que ça, celui-là. Tout petit celui-là. Ok, c'est des anguilles. Non mais là on peut pas se tromper. Hein. Si vous cherchez le coin anguille, je crois que c'est clair. Hein. C'est bien là. Bon,
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Au point où on en est, on va aller en Norvège. Un petit stream du monde, il dure déjà une demi-heure, quoi. Putain. Et tout là, je suis paumé. Sauvegarde, retour au menu. La totale. Ah là là, se battre contre les bugs du jeu. Ouais, deux musiques de jeu en même temps là, ok. Charger la partie. Fornberg, oui, j'étais au Fornberg, oui. C'est avec tout ça, les quêtes sont pas réinitialisées. Si vous demandez, j'ai fait un mix hein, sur les armures. Mixte entre démoniaque vert et démoniaque rouge, quoi. J'ai pris le maximum de choses brillantes. Ouais. Ça va la Norvège? Allez, on se casse. On y croit.
Aïe aïe aïe. Incroyable. Oh putain, ça a fonctionné. Et je me suis fait repérer. Vraiment taquer les mecs. Hein. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé tous les coups du jeu. Je suis lancé d'armes à terre, course à l'espadon, assassiné avancé depuis les buissons. Ah les gars, c'était pas leur jour. Ok, la menace est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre comme les nazes. On y est sur le sujet du jour. Hein. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Alors, qu'un seul truc, c'est que. D'accord. Il y a un spot conseillé, c'est un des Porsches. En fait, il y a des Porsches partout. Il me semble que c'est celui-là, hein. C'est là d'où je venais. Hein. Il me semble que c'est là le spot conseillé, les gars. Derrière ce Porsche là, c'est bizarre parce qu'on n'est pas à couvert. Mais pourquoi pas? Donc, entre-temps, je me suis enseigné, il y aurait trois spots. Le troisième spot, j'allais tryharder. Il ne marche toujours pas. Et comme par hasard, c'est le seul où on n'a pas de vidéo. Donc on a bel et bien que deux spots trouvés pour avoir ce bug des quêtes de vengeance. Après, on disait qu'il fallait mourir. De toute évidence, on s'en bat les steaks. Il y a des morts, même 5 jours après. C'est pas des vraies morts, on va dire. C'est vraiment que des quêtes. Et on est bien sur 5 à 15 minutes d'attente. La fameuse ferme de Scotto, je crois, entièrement détruite.
On attend un quart d'heure. Et ça va popper la mission buggy à mort. Je vous rappelle qu'on en a déjà 9. Ça sera la 10e et on aura fini ces défis du jeu, y compris seul buggé donc. On ne sait pas pourquoi. Ces missions apparaissent surtout à cette ferme. Et au bout d'un quart d'heure, voilà pourquoi personne ne les avait. Pas fâché d'en voir la fin, hein, je vous le cache pas. Voilà, il n'y a vraiment rien de particulier à faire en fait. Vous pouvez aussi tuer tout le monde et attendre sur le toit. C'est une autre solution recommandée. Quoi que vous passiez, là de toute façon, au bout d'un 15 minutes maximum, la mission pop. On va dire que vous, dans 75% des cas, ça fonctionne, d'après le texte du mec qui a découvert ça. Et donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la même région, un coin à ours, avec un texte différent, fait popper aussi une autre mission. Donc il y a clairement des textes alloués à cette mission buggée. Je sais pas si c'est volontaire ou non de la part d'Ubisoft d'avoir fait un truc aussi caché.
Je rappelle qu'on est sur la mise à jour 1.1.2. Les quêtes de vengeance ne sont toujours pas corrigées. C'est pour ça qu'on attend. C'est long, hein. Du coup, on va me chercher un peu à boire, moi.
Ouais. What? Il a fini par se lever le mec. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il fait tout le tour du bordel. Qu'est-ce qui lui arrive? Que vois-tu, Céline? C'est lâché lui. Bon, vu qu'on s'ennuie, hein, est-ce qu'on défouillerait pas des mecs?
Calme-toi. T'inquiète, on essaie de vous venger, les mecs. Toujours le mec qui vomit là. Ça, c'est l'attaque discrète ou je ne connais pas. Tiens. Trifle à 4 feuilles, ça va nous porter chance. Eh ben, c'est long, hein. Ouais, c'est vraiment très long, hein. Bien plus qu'un quart d'heure. Hein. Ouais. Eh ben, on dirait que ça ne marche pas. Thank you.
fin du monde, il se transforme en enfer. Histoire de 1. Je me promène. Pas de feu sur ma torche, c'est normal. Pas de feu. Ah, je sais pas combien de temps ça fait que je suis là, mais c'est. Comment ça fait, on est d'accord? Quête buggée. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir les ours. Ouais, on va chercher les ours. Donc à l'est de la tour en ruine. Dans ce bordel. À peu près par là. Attends, je viens de voir qu'il a sauvegardé ce début. On va faire un dernier petit tour. Comme c'est un bug, on sait pas où on en est. Mais là, vas-y. On a mis trop longtemps, quoi. C'est bon. Pas de mission. On va donc aller passer deuxième tentative chez les ours, malheureusement. Direct. Donc, normalement il y a des ours, voilà. Non, c'est pas des ours, pourquoi je dis ça des ours, voilà. Ce sont les trois vilains petits cochons qui ont tué quelqu'un. Ils ont aussi tué mon cheval. Alors là c'est vraiment pas cool. Ils ont l'air venir. Hein. On va se cacher là-haut. Oula, non, non.
Voilà. Ils sont pas anodins, ces trois petits cochons vilains. Pourquoi? Parce que ils font popper des missions de vengeance eux aussi. Et on aimerait bien l'avoir, cette dernière mission de vengeance, hein. Je vous la remontre. De quoi navigateur? Mais taré, non? On n'a pas de navigateur, gros. Mais défi d'Assassin's Creed, merci. Là, voilà. Venger la mort de 10 joueurs, 9 sur 10. De la mission que personne n'arrive à faire. Et pour cause, hein, ça fait une heure qu'on est là, c'était censé être le plus petit stream du monde, ça ne marche pas. Heureusement qu'on a trouvé deux emplacements possibles. Notamment celui-là. Les trois vilains cochons là qui tuent des joueurs. Bah tiens, il a revécu mon cheval. Attendre entre 10 et 15 minutes, très approximativement. C'est ce qu'on vient de faire sur le spot précédent. Va faire pareil sur le spot des cochons. C'est le dernier, hein. Donc j'ai fait l'effort de faire les autres en offline, je les ai enregistrés pour YouTube. Pour le dernier, j'aimerais bien qu'on y arrive en ligne quand même. J'ai eu peur, c'est rien, c'est juste une musique qui se lance. Voilà, mission pop, vous entendez Ivor qui dit intéressant ou autre, plusieurs phrases. Je sais pas que ça peut être long, hein. Pour l'avoir déjà fait une ou deux fois, on sait que ces méchants ont tué des joueurs et qu'il faut les venger. Thank you.
Je crois que je me troll. Au fond de leur fait 9 fois déjà. Hein. Je vous rappelle qu'avant qu'on les voit réapparaître les cochons, j'ai dû en faire des sauvegardes, des choses, des machins. Je crois que le jeu il veut pas que je le quitte en fait. Il sait que c'est la dernière mission. Dernier défi plutôt. Non, on reste un peu, Ninjo. On a passé 152 heures ensemble. Tu vas pas me quitter maintenant? Bah si. Allez, file-moi la mission. C'est même pas ce qui leur arrive à ces cochons. Ils se battent entre eux, ils font quoi là? Qu'est-ce qui se passe si on appelle le cheval et c'est bouffé par les cochons? Eh, viens voir, j'ai une surprise. Viens voir, ils sont sympas mes potes. Ils en ont rien à foutre. Pas cool, on peut pas s'amuser de nos jours. Bravo à la physique du jeu. Déjà que ta quête d'émission est buggée à mort. Déjà qu'il y a des dragons qui se promènent. Pas facile de débugger le jeu, hein. Putain. Oh bah oui, bah voyons. Corbeau indisponible. Aïe aïe aïe. Bon, ça fait pas un quart d'heure. Hein. Je crois que la première fois il avait mis un peu moins de demi-heure. Hein. On s'amuse avec le cochon. Alors les mecs, vous attendez quoi? De trouver une truffe dans un lot? Ouais, vous êtes méchants. C'est bon, j'ai trouvé une groseille. Attention, j'ai un gros poisson. Hein. J'ai pas de corbeau. Je fais chier le jeu là. On a que ça à foutre en attendant la putain de mission. Donc moi, vous m'aimez pas, mon cheval ça va par contre. Quelle horreur ce jeu, quelle horreur. Hey. Si je leur faisais un cri de la terreur, le nouveau cri.
Ah, il veut pas. C'est quoi? Je vais me mettre au milieu des cochons et je vais faire un cri de la terreur, voir si ça les paralyse. Ils sont pas impressionnés, hein. Ah, c'est ça qu'on voit de loin, des flèches. Ok. Attends, il est où mon arbre? Ah. Titille. Voilà, ça fait déjà 10 minutes. Je vais me trouver un chrono en ligne si c'est possible. Pour le stream, je veux dire. Mon champ, je vais faire ça. Ça va m'occuper. Et ben, le plus petit stream du monde, il traîne en longueur. Hein. Putain. Je vais voir si on peut activer un petit chronomètre. Ce genre de défi tout naze.
poulet, on dirait que j'ai trouvé. En vrai, ça fait déjà 10 minutes qu'on est là. Ok, on reste pas là plus de 10 minutes hein, parce que c'est casse-couille. Qu'est-ce que nous avons là? Et voilà. Putain. C'est ça, hein, un peu moins de 20 minutes. Qu'est-ce que nous avons là? Je me le demande. Eh putain, la dernière vengeance sera bel et bien les cochons. Vous avez vu les gars, ça a le coup d'attendre. La mission a popé. Alors est-ce qu'on peut y aller discrètement sans passer par les cochons? On dirait bien que. Qu'est-ce que... Le bâtard. Bon, allez, casse-toi. Une jambe cassée, des perforations, des morsures au bras. L'œuvre d'un sanglier. T'es sûr? Moi je dis, faut faire une course à l'espadon. Non, non, une course à l'espadon, j'ai dit. Aïe! Ah merde! Ah, je peux plus le faire. Non, ça c'est pas drôle. Faut que je les tue à l'espadon. Non, on est d'accord. On va retirer notre bouclier. Et on va foncer dessus en espadon. En espadon. On tue des cochons. Comme ça, moi. Exclusivement de la course à l'espadon. Ça, c'est une vengeance cas du style.
Ça, c'est du jamais vu sur Assassin's Creed. Ok. Où qu'il est le cochon? Il s'est barré par là. Ok, il est là. Il croit échapper à l'espadon coureur. Ça sera non. Allez, je mets une petite hache dans le postérieur et on repart. Attendez. Il y en a un qui est caché là-bas. Ah, il est pas mort. Je vais glisser un petit truc dans le ventre, ça sera une surprise du chef. Et le dernier là-bas là. Alors, t'as tué un joueur qui s'appelle Guest. C'est pas cool ça, tiens, mange-toi les espadons. Un autre? Pas bien d'avoir tué Guest, c'est pas bien. Celui qui t'a tué a péri. Repose en paix. Guest, Ifiller, si tu m'entends, je t'ai vengé. Et c'était très chiant, et c'était un long voyage. Oh oui, moi aussi. On a enfin terminé les défis impossibles du jeu. Est-ce qu'on le voit, on le verrait pas déjà? Non, déjà, est-ce qu'on sauvegarderait pas hein? Sauvegarde manuelle. Sauvegarde auto. La totale, j'ai envie de dire. Et on va voir si ce foutu défi est enfin terminé. N'empêche, j'ai quand même le chrono n'aura pas servi longtemps, mais j'ai trouvé un petit chrono pour le stream. Voilà, ça c'était vraiment histoire de faire une petite sauvegarde de tout. Voyons voir ça. C'est pas beau ça. Les gars. Halle des morts. Venger la mort de 10 joueurs. 10 sur 10. Réalisé il y a 2 minutes. Note de correctif 1.1.2. Le jeu toujours bugué. On l'a fait. Voilà. C'était long, c'était pénible, mais on l'a fait. Bah oui, et ça aussi ça a marché. Évidemment, 10 opales cadeaux, juste en achetant un pauvre mec.
Je veux, mon neveu. On a aussi fini tous les défis temporaires. Je vous rappelle qu'il vous reste très peu de temps pour obtenir le bateau pirate. Il suffit de faire des raids fluviaux. Et évidemment, il ne veut pas me donner mon espadon. Et pourtant, Dieu sait qu'il nous a servi. Oui, bien sûr, Coconut. Putain, t'es arrivé pile poil pour la fin, t'as vu ça? 1h40 pour faire un pauvre défi naze. Naze à chier. Ah là là, mais on l'a fait. Ouais, alors le 31e défi, c'est brandissez l'espadon. Je sais pas si t'as vu l'attaque des cochons à l'espadon. Mais j'ai bien brandi l'espadon, hein, et là... ouais, c'est carrément bug. C'est d'autant plus bug que hier je l'avais ce défi. Évidemment. Là t'as pas suivi? C'est une longue histoire. C'est quoi? Je coupe le stream. Et je te reparle sur Discord, ok? Ça te branche ou pas? Parce que c'est une histoire un peu particulière qui va peut-être t'intéresser. Je coupe le stream exprès, hein. C'était un mini stream pour finir enfin ces défis et en finir avec ce jeu avant les DLC. Non, pas au Stevita, tu rigoles. Et je vais revenir hein, dans quoi un quart d'heure, une demi-heure pour faire du Résurgence. Allez, à plus les gens. Et Coconut, je te explique ce que j'ai fait parce que c'est très particulier.